Je suis la maman d'un enfant autiste qui a maintenant 20 ans. Je pense que c'est une excellente idée parce que d'abord ça rassemble les parents avec les enfants et puis on peut collecter plein d'informations pour gérer le quotidien quand on est parent d'enfants autistes. On a besoin de beaucoup d'informations, d'assistance. Neveu est atteint d'autisme. Je suis venu ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles et c'était un moyen pour moi de parler à des professionnels. Je suis venu juste à la pêche aux infos et les gens m'ont pas mal aidé en fait. C'est assez agréable et intéressant aussi parce que j'apprends pas mal de choses. Tout à l'heure, il y a eu une animation avec des instruments de musique et j'ai trouvé ça très très bien. C'est une jeune femme qui avait des instruments du monde entier et qui racontait l'histoire de ces instruments et les enfants étaient très intéressés. Même les enfants autistes. En tant qu'amie de la fondation d'entreprise Air France, j'ai été amenée à venir aujourd'hui sur le village Vaincre l'autisme. Mon souvenir préféré de cette journée, c'est une discussion que j'ai eue avec une maman dont l'enfant est autiste. Vraiment, elle m'a expliqué son parcours. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et de voir l'espoir finalement et garder cette note d'espoir parce que certes c'est une maladie bien difficile, mais on voit qu'il y a une possibilité de faire évoluer ces enfants vers une socialisation et vraiment c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée dans cette journée.